Salut à tous pour l'épisode 2 d'Imitation Game, Imitation Game avec un accent de ouf, ma gueule. On se retrouve donc pour ce deuxième épisode avec, je commence comme je l'ai promis pour tous ces tipeurs, toutes ces personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee. D'ailleurs, ça marche encore, il reste une douzaine de guides dédicacés. Il en reste 12 et il y a à peu près 400 euros de récolté. Donc, un grand merci à vous, même s'il faut que j'achète beaucoup beaucoup de timbres, on s'en fout. Je voudrais juste commencer cette vidéo par vous remercier pour ceux qui voudraient encore participer, même pour le minimum du montant. Un minimum de montant, c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Le lien Tipeee. Alors, il y en a tellement. Je vais commencer par Jean-Paul Adam, SGT Toy, Mouché Pierre, Cassius, Christophe Lafitte, Damien Lagari, Clément Feneuil, Laurent CIB, Ludovic TDS, Aurélien, Alix Tigrane. Cezelta, Hazard, Dajdad, oui, il y a du monde. Xander Guigui, Timal, Timalmal, Dumergue, Olifor, Pknar, Rod de Rod. Il y a qui d'autre? Il y a Jérôme Grard, il y a Florian Lacroix, il y a Elishin, il y a Florent Maistre, il y a Nemesis, il y a Dimitri, il y a JMC, il y a Ondo. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Ceux qui ont déjà fait auparavant, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, merci encore à ceux qui ont participé et ceux qui vont participer. Ça me touche au cœur. Il est là, le cœur. Voilà, bon, ça fait une minute de vidéo. En revanche, on va commencer cette imitation game. Alors, j'ai appris qu'on avait les mêmes bases partout dans le monde. Non, dans le monde. Donc, je ne savais pas du tout, hein, au moment où je tournais la première vidéo. On se concentre donc maintenant sur ce. Bah, c'est le deuxième événement, c'est le deuxième épisode. Par une base dite, parce que j'aime bien les appeler comme ça. De merde, non, je rigole. Bon, alors quel niveau celle-là? Aaron Club, niveau 8. J'aime bien cet événement parce que on peut se foutre un peu de la gueule de certaines bases tout en étant gentil, hein, bien sûr. On va pas se foutre de la gueule de petites bases, ça ne se fait pas. On a tous commencé par là. Et puis, même si là, détruire, j'aurais pu ne pas débarquer mes troupes d'ailleurs, même si réussir sans débarquer, sans enfin, juste réussir à détruire le QG juste avec des bestioles, c'est un petit peu insultant. Mais on s'en fout. C'était une base niveau 8, bah oui, je crois. Aucune perte. Je ne suis pas boosté. On s'en fout. L'épisode 2. L'étape 2. Étape 2 du niveau 15. Ouais. Franchement, en fait, on remarque que les petites bases par rapport aux grosses bases, c'est franchement la forme. Enfin, l'organisation de la base, c'était vraiment. C'est le bordel, hein. Parce que tu mets pas une mitrailleuse en premier rempart, enfin, vous avez compris, c'est assez bizarre, mais c'est tout à fait normal, parce que quand on est à niveau 15, on pense que c'est imbattable, mais alors que pas du tout. Alors là, j'ai envie de déminer, alors, par contre, là, je vais vraiment pas avoir de perte, hein, parce que s'il faut utiliser des diamants, c'est vers l'étape 7, voire 6, mais je pense pas, ce sera plus vers l'étape 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on se rapproche tout doucement du QG. Ça devrait le faire, je pense, sans aucun souci. Je me focus sur le QG en mettant toute ma canot dessus et on arrive à détruire la base de Ashrokpo. Ouais, j'ai réussi à le dire en deux coups. D'ailleurs, je n'oublie pas ta phrase, Fabien Cassius. Tu m'as dit de dire une phrase en échange de ton don. Merci beaucoup déjà. Mais bah, tu m'as dit que c'est que dans les vidéos de l'arène. Les vidéos de l'arène qui vont arriver très bientôt. Enfin, la suite de l'arène. J'ai publié que l'épisode 1. Ok, donc celle-là va être un petit peu plus compliquée. C'est normal. Alors lui, son pseudo, je ne le dirai pas, par pur respect de la langue asiatique. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il y a des mines. Je sais pas pourquoi il y a des trous dans les mines. C'est bizarre, c'est chelou, c'est dégueulasse. Il y a tout est condensé. Je crois que je vais contourner, mais sur la droite. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Nickel. Comme ça, je vais pouvoir détruire tranquillement lance-roquette. Bon, au niveau 30, je sais pas si on a les bestioles, je ne pense pas. Alors, on peut détruire facilement sur lance-roquette, vous avez dû le voir. En tout cas, ceux qui ont les bestioles, à mon avis, qui réussissent quand même à faire cette base, mais je vous donne l'astuce, ça, y a pas de souci. Donc ça, c'est l'étape 3 d'imitation. Je suis en train de réfléchir jusqu'à quelle étape j'avais pas eu de perte, mais je crois que j'avais pas eu de perte même à l'étape 6. Je sais plus du tout. On va voir si c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça. J'espère en tout cas. Il y en a qui se plaignaient, c'est trop facile.
Oh là là. Alors là, tu fais ça avec les bestioles. Tu fais ça avec les bestioles. Eh ben, Graal Victor. Ouais, on peut détruire ta base avec des bestioles. Voilà, ça c'est beau, c'est cadeau. Alors, c'est pas négatif si bon. C'est pas. Tant mieux s'ils vont aussi détruire les autres petits bâtiments. Ça affaiblit aussi le QG, même si j'aurais voulu qu'ils se focalisent un petit peu plus sur le QG. Mais voilà. Étape d'imitation 4 qui est super facile. Bon, je pense que tout le monde a l'astuce. Pas besoin de voir la vidéo. Mais là, c'était assez simple. Donc voilà, Graal et Victor. Si tu es un Français, j'espère, hein, comme ça tu regardes. Il y a plus de chances qu'un Français regarde une vidéo qu'un Hollandais, par exemple. Donc change ta base. Alors après, peut-être qu'il a arrêté de jouer depuis longtemps. Et c'était une petite boutade. L'étape 5, ça va vite, ça va très très vite. L'étape 5 se complique, c'est logique. J'ai toujours pas beaucoup. J'ai gagné presque aucun gros cristaux, je crois. Enfin, je suis en train de me plaindre. Ok. Rudimantide. Qui nous propose, avec 3 statues vertes boostées, c'est sympathique. Ah, 2, pardon. Pardon. Excuse-moi. Bon, ouais, non. Niveau 53, non. Niveau 40, 45 maximum les verts. Après, dégagez-les. Je vais porter plainte sinon. Je vais détruire aussi le lance-roquette parce que je vais faire le tour, je crois. Je pense. Faut vraiment pas que j'ai des pertes, de toute façon, ça fout l'arme. Hop. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Je dis bien normalement. Faut juste que ce soit les gros bras qui prennent les mines. C'est ce qui est en train de se passer. Nickel, un deuxième, puis je vais aller tout en haut à droite. Nickel, hop. Et normalement. Ouais, normalement c'est bon. Je vais détruire aussi ce deuxième lance-roquette. Enfin, ce troisième, ça fait le troisième que je détruis. J'ai pas assez de points de canot pour envoyer des bestioles. Comme un. Ouais, comment on peut le dire? Des bestioles, on approche du QG, il y a un super canon, faut faire gaffe. Mais là, je préférais friser. Super canon et le lance électron et pas l'électro-canon. Ok. Là, je vais forcer les deux super canons, mais ils sont un petit peu éloignés. Mais je pense. Enfin, j'allais dire, le gros bras ne. Le super canon ne one-shot pas les gros bras, mais si. La preuve que si, donc je suis dans la merde. C'est pas grave, c'est qu'une seule perte. Et puis, focus QG. Et là, tranquillement, l'étape 5, la base de Rudimontide. Qui est détruite. Allez, on s'acharne. On s'acharne. Bon, on va essayer en tout cas de s'acharner sur l'étape 6. Là, je kifferais avoir ma base, putain, ce serait. Je sais pas si les mecs, s'ils. Bah, Rudimantide, là, en fait, il doit niquer sa base. C'est sympa comme concept. Ah, d'accord, il a eu beaucoup plus de pertes que je le pensais. Ouais. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les fourbes. Et ouais, on va faire. Putain, mais ils prennent que les bases avec des statues vertes. Mais c'est un truc de ouf. En fait, pour être dans l'événement, il faut avoir des statues vertes boostées. Il est niveau 60, si je dis pas de conneries. Putain, ça m'énerve, mais ça m'énerve de voir ça. Je suis désolé, vous pouvez me donner tous les arguments qui prouvent qu'on a besoin des statues vertes boostées. Mais non, je ne croirais pas. Je vous insulte de menteur si c'est ça. Mais c'est improbable. Voilà, faut que je fasse gaffe par contre au lieu de faire le con. Alors, je me permets de faire ça parce que je suis full offensif, je suis pas boosté mais je suis full offensif donc je me permets de faire beaucoup de fumigène. À ne pas refaire chez vous. Hop, et puis là je vais faire un truc assez sympathique. Ah, par contre, le rapporteur va me casser les couilles. Oh, ah ouais. Boum, ok, nickel. Et je renvoie des petites bestioles. Faut vite qu'ils détruisent. Ces mortiers qui vont saouler. Mais. Zuka, c'est bon, ça n'a pas trop été le cas. Bon, là, ils vont prendre. Bon, là, je commence à avoir des pertes. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai des petits diamants. On est à l'étape 6. On va réussir à l'étape 7 tranquillement. Tu sais quoi, je vais même me focaliser tout de suite sur le QG. Hop. Et je vais même mettre un petit tir de barrage. Et je suis con parce que ça va détruire mes gros bras. Et franchement, je crois que c'est. Je préférais la semaine dernière. Parce que c'était. Là, pas plus facile. Mais je faisais moins de la merde. Là, je fais beaucoup, beaucoup de la merde. C'est pas français, mais c'est un truc de ouf, je sais pas quoi. Donc ça, c'est un renseignement, nickel. Je gagne pas de gros cristaux. Je crois, je fais pas gaffe, mais c'est chelou. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Allez, 26 diamants pour l'étape 7 d'imitation. Avec une énorme base.
Encore une statue verte boostée. Mais c'est une blague. C'est une putain de blague. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher des statues. Et le QG aussi, parce que je confondais avec un mortier le QG. Bon, c'est pas grave, ça, c'est mon problème. Mais en fait, c'est pas possible. C'est obligé, c'est Supercell, ils mettent des vertes comme ça. Et... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Ta gueule, c'est ta gueule. Alors, celui-là, il sert à rien. Qu'on se le dise. Pourquoi ça résonne quand je parle? Alors, selon ce requête là, ok, bah, ce que je vais faire, c'est que, bah, c'est déjà, je vais faire, je vais commencer par un truc, c'est attaquer, ça c'est le meilleur truc. Ensuite, je vais commencer à mettre des, non, je vais commencer à détruire lance requête ici, et celui-là, voilà. Alors, une statue bleue boostée, c'est encore comme la semaine dernière, je crois, c'est les dégâts, et bah non, faut pas booster les dégâts, mon ami, mais plutôt la santé des bâtiments. Je redonne le même argument, c'est pas les dégâts des bâtiments qui va vous faire tenir une défense sur une map avec la cognière de l'ennemi, s'en fout. Et là je suis con d'avoir envoyé tout ça, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de mine. Faut que j'en renvoie, c'est sûr et certain, parce que là il y a 3 mines, et si j'ai pas envie que toutes mes zookas meurent, c'était la meilleure chose à faire. Je remets un autre fumigène. J'ai plus que 41 points de canonnière, donc autant vous dire que c'est la merde. Veiko 39, ta petite base est sympathique, mais je vais tout faire pour la détruire. J'ai envoyé des bestioles. Alors là, j'ai gardé... Ah, je peux pas les friser d'un coup. Non, je peux pas friser l'encéctron. Électrocanon d'un coup, d'accord, donc je suis baisé. Et camp de la mort aussi. Oh putain, ouais, d'accord. Ah, je suis pas dans la merde, là. Bon, on va essayer de faire les choses bien. Je vais pas friser trop canon, plutôt le lancer électron qui ralentit mes troupes et j'aime pas trop. J'ai pas trop envie que mes zookas se mettent devant les gros bras. Il me reste très peu de gros bras en parlant d'eux. Je vais aller refriser, enfin je vais refriser le super canon et le. Enfin, c'est bon, le camp de la mort vise mes zookas, c'est mieux que les gros bras. Ça devrait le faire, je pense. S'il se dépêche à détruire le. S'il se dépêche. Après, faut vraiment qu'il se dépêche en fait. Je suis dans la... Ah, il y a le lance-électron. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah, je l'avais pas vu. Bah écoutez, je vais y arriver en deux attaques. Et bah ça me prendra à faire le con. Tiens. Je vais y arriver en deux attaques. Heureusement que c'est pas du one-shot qu'il faut faire. Je l'avais pas vu le lance-électron derrière le QG. Bah ça me rend, ça m'apprendra à faire le con. Voilà. Faut le dire dans les commentaires. Ça t'apprendra à faire le con. Alors là, j'ai pas assez de diamants. Bah je vais pas tous les faire. Hein. Je pense que... Bah écoutez, d'ailleurs, je sais même pas si on peut le faire à la cano. Bon, je pense pas avec tout ce qu'il y a. J'ai bien envie. Non, je pourrais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Bah, je vais refaire. C'est sûr et certain. Je vais mettre. J'ai bien envie de le faire à la cano. Hein. Alors, après, si je me merde, je vais faire ça. Il me reste 3 attaques. Je vais faire ça à la cano. Ok. Alors, tu te concentres. Et tu détruis déjà le lancer tronc qui va te saouler. Et je vais faire ça. Et je vais faire ça juste après. Alors c'est osé ce que je fais, hein, parce que si je merde, bah, je suis dans la merde. Voilà, tout est dit. Je vais détruire aussi cette mitrailleuse. Et je vais friser tout et j'envoie des bestioles. Voilà, nickel. Et encore une bestiole. Alors c'est très risqué, je sais même pas si je vais y arriver. Allez, je remets un petit freeze. Bon, ça devrait passer, je pense. Je remets 2 tirs d'artillerie sur le mortier. Voilà, nickel, ça va être encore mieux. Et puis, je vais même pas y arriver à cette attaque-là. Là, j'ai un petit peu peur, je vous avoue que... Bon, après, il n'y aura plus de lancer de trompe ni rien, donc franchement, ça va être très facile après. Il n'y a plus rien. Ok, j'abandonne. Il reste 2 attaques. C'est un petit suspense. Voilà, on se complique un petit peu la tâche. Il y a pas de... C'est pas trop grave. Je renchaîne, c'est pas français, mais je renchaîne sur ces 2 attaques. Allez, je vais te relancer, comme ça sera fait, il n'y a plus de soucis après. Et puis, j'envoie enfin les bestioles qui vont donc détruire ce QG. Enfin, j'espère en tout cas, parce que sinon je suis dans la merde. Allez, je détruis aussi la mitrailleuse, ça sera fait, et là on est tranquille. Avec tous nos tirs d'artillerie. Voilà, un petit, 2 petits tirs d'artillerie sur le QG, ça fait plaisir. Et ben j'aurais détruit cet événement avec des bestioles. Voilà, c'est
C'est la chose que je peux dire parce que j'ai vraiment serré les fesses jusqu'au bout. Voilà, il y a resté encore une attaque après, donc j'étais tranquille et puis j'aurais vraiment pu attaquer toutes mes troupes, ça aurait été largement plus facile. Aucun renseignement, aucun statut, aucune pierre rouge. On m'en veut, clairement on m'en veut. Voilà, aucun, y a pas de doute, on m'en veut. Voilà, dites-moi si vous avez réussi. En espérant que tu trouves des trucs plus robustes, parce que déjà la semaine dernière on s'est fait chier. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, avec le Facebook, le Twitter, le Snapchat, le Instagram et tout le bordel. Le Tipeee aussi pour ceux qui veulent participer pour une petite dédicace et pour m'aider financièrement à améliorer la chaîne, la qualité du matériel, etc. Voilà, tout est dit, on se retrouve très bientôt. Je vous kiffe, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis à très bientôt. Salut à tous.